Et bonjour à tous, ici Zeta et nous nous retrouvons enfin pour la suite de ce let's play sur Kingdom Hearts. Espérons que ce soit la fin aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'ici là? Depuis le temps, j'ai augmenté niveau 50 en espérant qu'avec mon niveau 50, je puisse arriver à battre le prochain boss que vous n'avez pas vu en vidéo. Oui, je me disais bien. Que vous n'avez pas vu en vidéo parce que je galérais et donc j'ai augmenté un petit peu mes niveaux. Niveau 50, ça devrait passer. Donc, nouveau micro, comme vous le savez depuis un petit moment, ou pas du tout encore, mais voilà, nouveau micro, à partir de la rentrée, nouveau let's play, nouveau truc, et bidule, et chouette, et tout. Donc, on n'est pas là pour expliquer ma vie, on est là surtout pour Kingdom Hearts, et donc pour la suite de cet épisode. Donc, j'ai repris la manette, ça devrait passer, et on commence la suite. Naminé ? Ce n'est pas toi. La personne la plus importante pour moi, ce n'est pas toi. Non. La fille que tu aimes, celle qui était toujours avec toi, ce n'est pas moi, c'est elle. Mais qui est-elle? Je ne me souviens pas de son nom. Si elle m'est si chère, pourquoi je ne me souviens de rien? C'est parce que je suis entré dans tes souvenirs et... Laisse-moi expliquer ça. Pour faire simple, ta mémoire est un navire à la dérive. Ce n'est pas toi qui devais veiller sur Namine, c'est moi. Mais toi, avec tes souvenirs embrouillés, tu es toujours sur mon chemin. Bon. Donc, le retour de Riku. Ah, ouais, par contre, il a quand même des cartes. Voilà, regardez. Voilà. C'est des coups comme ça que j'aime pas qu'il me fait. Ah, par contre, voilà. Le petit problème, punaise. C'est qui fait mal et j'arrive pas à la fin. Punaise. Bon, par contre, il faudra que j'enlève des cartes après si je perds. Mais dans tous les cas, on va se le faire. On a 20 minutes pour faire. Si j'arrive pas, j'arrive pas. Punaise. Bon. Bon. Là, on va prendre ça. On va se revoir. Ah, j'en étais sûr. Il va atteindre son attaque. Là il faut lui sauter dessus. Et à moins. Ouais, par contre ça. Eh merde. Bon, on va remodifier ce jeu parce qu'apparemment il est pas suffisamment bien. Bon. C'est pas grave, de toute façon on a le temps, ça fait que 3 minutes, on meurt une fois, c'est pas la drame, c'est toujours pas la bonne touche, voilà, voir le jeu, on va enlever ça et ça, ça me fait toujours des cartes à rajouter en plus, on va rajouter ça, ça, ouais j'ai pas... Qu'est-ce qu'on peut rajouter ayant... Bah voilà, c'est un peu trop... Ah oui. Ouais, on va rajouter celle-là. Voilà, ça nous fait toujours des cartes un peu en plus dans le jeu. C'est toujours ça de prix. Voilà. Donc, on va se refaire le boss, c'est parti. Oh, voilà, accélération. Voilà, c'est parti. Oh.
Voilà, on commence donc un peu à la fois. Par contre, j'ai fait peut-être une erreur de stratégie là, mais c'est pas grave. Bon, on va la voir, on va la voir, on est bien. Voilà. Par contre, c'est pas un boss plus simple à vaincre, parce que le boss final est un petit peu plus simple. Alors que c'est pas le moment. Oh, j'ai fait juste une petite pause de petites secondes. Non. On va lui faire confiance. Il va pas rappeler. Ah, on est bien parti. Voilà. Putain, j'ai dit que je. Jamais faire confiance en Star. Ah, j'ai pas utilisé Auréole. Bah, on recommence là, on va l'avoir, on va l'avoir. Bon, stratégie un peu foirée dans l'ensemble, pour la simple et bonne raison que j'ai mal foutu le jeu. Le jeu principal est pas trop mal, il nous manque par contre ça, si on va la retirer. Non, on va rajouter... ah oui, on peut quand même rajouter des trucs. Hein. Un troisième soin, et on va essayer de rajouter encore une carte assez bien. Celle-là, bizarrement, elle n'était pas rajoutée. Non, il ne reste plus que 5, je peux pas rajouter comme je veux. Celle-ci, on va la mettre ici. Celle-ci, on va la déplacer là, et celle-ci, on va la déplacer là. Voilà. Bon, là, je modifie un petit peu et on est reparti pour refaire. Mais cette fois-ci, on va l'avoir. Parce que j'ai trouvé le petit truc qu'il faut. Maintenant, étant donné aussi que je suis un petit peu puissant la dernière fois que je l'ai fait. Voilà. Bon. Ah, il m'a eu. Okay. Voilà, ça c'est bon. Ouais, mais là, ça roule, je peux pas pour l'instant. Tu verras en vidéo, je peux pas. Par contre, on va s'en avoir.
voir si on reste bloqué là. Oh, par contre il m'a eu le salaud. Bon, par contre il a mal loupé. Ensuite on va lancer Oogie Boogie. Ah, je bouge pas avec cette attaque, c'est pas pour moi encore là. Il faut là. J'ai aucune bougie encore qui me soigne, donc ça passe, on peut essayer. Bon, Star Wars, tu commences à me casser là. Là, je suis en plein combat, il y a un Riku à battre. D'accord. Alors, on va utiliser. On va utiliser ceci. Ah, j'aurais dû utiliser ça avant. On va utiliser plutôt celle-ci. Voilà. C'est bon, on va se calmer. On va la voir. Voilà, on va se calmer. Ah, mais à chaque fois je la... Ça. Voilà. Comment Zeta, je commence à jouer à stratégique. Voilà, bon. Allez, esquive. Oui, oui, oui. Oui. On l'a eu. On l'a buté. On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. Ah. Oui, niveau 3 suivant. Ah oui. Quoi, niveau 3? Merde. On a battu Riku, on a battu Riku, on a battu Riku. Bon, je sais, ça fait un moment que j'attends ça. On a battu Riku, 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 on a battu Riku. C'est bon, j'arrête. Oh les gars, les gars, les gars, on avance, allons voir. On va essayer de voir à quoi ressemble la carte de Riku, parce que punaise, ça fait du bien. Alors, les cartes des tours sont disponibles en recharge. Les cartes des tours. Les cartes des tours, je finis ma recharge. Ouais, je sais pas ce que c'est bien, mais ouais. On continue. Riku, tiens, redemande. Sora, t'es Riku, pourquoi? On dirait que j'ai gagné. Arrête Riku, non. C'est fichu, imposteur. Arrête. Riku. Riku. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Riku? Elle lui a brisé le cœur, pulvérisé même. Oh putain, ne dis pas qu'on a encore elle derrière. Pulvérisé, mais ça veut dire qu'il est... qu'il... Ah ah ah, tu as l'air si pitoyable. Ne t'inquiète plus pour Riku. Il n'y a jamais été réel. Comment ça?
Tu veux que je t'explique ou... Oh, je ne sais pas. Je laisse raconter la fin des histoires. Arrête de jouer avec moi. Très bien, comme tu voudras. Tu n'y survivras pas, mais tant pis. Cette chose qui gît à terre est une marionnette de Vexen. Ce n'est qu'un jouet. C'est risible, il t'a traité d'imposteur, mais c'était lui, l'usurpateur. Ouais... C'était un faux, Rico ? Complètement faux. On venait de le terminer. Et sans passer, comme pouvait-il se rappeler quoi que ce soit ? Sans passer, oui. Okay. Ses souvenirs de Naminé étaient implantés et non réels. Il n'a pas cessé de se battre contre toi pour de faux souvenirs. C'est pas ce que Sora a fait depuis le début. N'est-ce pas, Naminé ? Malgré ton visage d'ange, tu es un vrai petit démon. Non, pas Naminé. Tu es si bête. Tu ne comprends donc pas. Embrouiller les émotions des gens, c'est tout ce qu'elle sait faire. Elle rentre dans leur cœur et modifie leurs souvenirs. Elle peut même en créer de nouveau. La fille que tu veux protéger est une sorcière manipulatrice qui emprisonne le cœur des gens dans un passé imaginaire. Alors ma mémoire, tout ce que je me souviens, ce sont des mensonges, une illusion créée par Naminé. Tu as ligoté un fil de ta mémoire et t'es la clé de notre piège. Je frémis de plaisir en pensant à quel point ça a été simple de te piéger. On pouvait transformer le maître avec les mains en marionnette. Ça a bien failli marcher. Mais Secrétin Axel s'est invité de Naminé pour tout gâcher. Il nous a trahis. Vous allez me le payer. Non. Pardon. Il est un peu tard pour avoir des états d'âme, sorcière. Mais Daniel, c'est toi qui l'as entraîné dans le désastre. Je sais, mais... Je t'avertis, je suis de très mauvaise humeur. À cause de toi, nos plans ont échoué. Et de deux, Nami. Comment aurais-tu peur pour elle? Tu ne la connais même pas. Peut-être bien que non. Mais j'ai quand même fait une promesse. J'ai promis l'année que je la protégerai. Mes souvenirs sont peut-être faux, mais ce sont les miens, et je leur serai fidèle. Quel idiot. Il n'y a pas de promesse, il n'y en a jamais eu. Tout n'est qu'illusion. Pourquoi continuer à jouer les héros? Oh, et puis fais comme tu veux, ce sont tes funérailles. Adieu, trompe-l'œil. Oh yeah! La famille est de retour. Pour d'abord nous passer sur le corps. Donald, Nago, vous êtes revenus? Bien sûr qu'on est revenus, on s'inquiétait pour toi. On n'allait pas te laisser t'amuser tout seul. Oui, on a toujours fait une équipe. Et ne changera pas, compris, Larsen? Très bien, trois fois plus de douleur pour vous, trois fois plus de plaisir pour moi. Bon, on a... Oh, par contre, elle a... Ah oui, je suis en train... Oui, mais merde! Aïe, on a un souci. SOS, gros souci, besoin d'un méga heal. Voilà, là, ça va aller mieux. Par contre, Remax, elle... Le problème avec elle, en fait, surtout, c'est qu'elle est très rapide. Elle est pas forte, mais extrêmement rapide. Donc là, on va bien galer. Oh, non, on va bien, ce sera fini. Oh, je suis très concentré.
Ouais, mais j'ai jamais compris comment ça fonctionne ce machin. Oh. Trop compliqué non plus. Ah, et par contre, on va essayer d'éviter d'utiliser Donald parce que vous voyez bien le problème avec elle, c'est que la magie de Donald, en tout cas, la magie de foot de Donald lui rend les vies. Donc, on va éviter d'utiliser Donald, même si ça serait quand même utile. Bon, le plus utile ici, c'est pour l'instant Dingo. Hein. Donald? J'ai bien galère là, on... là c'est assez simple. De ce cours-ci, finalement, on a eu un problème. On avait eu un problème, mais bon, finalement, on a réussi. On va se booster la vie. Étant donné que le jeu est déjà plus ou moins bien constitué, on va booster surtout la vie. Ah, c'est dark ici, mais je peux pas terminer mon épisode en paix. Non, non, je refuse de perdre face à une bande de minables. Je me dis, sous, non, ce n'est pas possible, je ne le permettrai pas. Il y a un membre de l'organisation en moins. Un. Oh, tu dois être Namine. Nous sommes les amis de Sora. Je suis... Dingo, je sais. Voici Donald. Quoi? Mais... Comment tu sais qui je suis? Félicitations, Sora. Tu as enfin trouvé ton ami. Mais bordel, on peut pas terminer son épisode en paix. Bon. Par où commencer? Namine, je sais... que ce n'est pas facile, mais peux-tu nous dire ce qui se passe? Bien sûr, c'est ma faute après tout. J'ai pris les personnes et les émotions dans le cœur de Sora, et peu à peu, je les ai remplacées par de faux souvenirs que j'avais créés. Donc, la promesse que Sora avait faite de te protéger... C'était un mensonge. Sora ne m'a jamais rien promis. Ma présence sur l'île était aussi un mensonge. C'est notre première rencontre. Je n'ai jamais été l'ami de Sora. Je n'arrive pas à croire. Je suis désolé dans tes souvenirs. Je n'ai jamais été là. Alors c'est à cause de toi que nous sommes, nous aussi, perdus nos souvenirs. Pourrait-on les récupérer? Pas tout de suite, si...
si on va au troisième étage, je pourrai tout réparer, mais Marluxia. C'est Marluxia qui t'a forcé à modifier nos souvenirs. Il disait qu'il me retiendrait prisonnier pour toujours si je n'obéissais pas. J'étais seul depuis si longtemps. C'est la solitude qui t'a forcé à accepter. Je suis désolé. C'est inutile, ne pleure pas. Je sais, je n'ai pas le droit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, je ne suis pas ravi que tu aies joué avec mes souvenirs. Mais je ne peux pas t'en vouloir. Ces souvenirs que tu as créés, je sais qu'ils sont faux, mais je les aime bien. C'est ma promesse, j'ai promis que je te protégerai et que je te ferai... Bref, vous avez... Alors si tu pleures, je me sens coupable, c'est comme si je t'avais trahi. Je t'en prie, ne pleure pas, ne t'excuse pas. Jusqu'à ce que je retrouve mes souvenirs, souris, sois heureuse. Ce sera plus facile pour moi. Sora. Dingo, tu ne trouves pas qu'il en fait un peu trop? Je ne sais pas, Sora est toujours comme ça quand il y a des filles. Taisez-vous, vous deux. Je croyais que vous aviez perdu la mémoire. Les amis n'oublient pas ce genre de choses. Laissez-moi un peu tranquille. Voilà, c'est l'anamie dont je me souviens. J'aimais beaucoup, tu souriais dans mes faux souvenirs. Mais ce que je ressens maintenant, ce n'est pas un mensonge. C'est bien réel. Tu es gentil, Sora. On a encore du pain sur la planche. Oui, allons récupérer nos souvenirs. Marluxia est là-haut. Tu devrais rester ici, Namine. Dingo a raison. Peux-tu veiller sur Riku? Nous reviendrons vous chercher dès que ce sera fini. D'accord. Sois prudent, Sora. Tout ira bien, promis. Souvenir perdu. Qu'est-ce que souvenir perdu? Pour ceux qui ont joué à Kingdom Hearts, vous le savez. C'est la Keyblade souvenir perdu. On va la rajouter en enlevant... Il faut qu'on en enlève 25, 30. Il faut qu'on enlève 30, un petit 30 qui traîne. On va essayer de trouver une de 30, pas trop. Voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà. Nous sommes actuellement plan. Nous sommes à l'étage 12 et maintenant on va passer au 13e étage du manoir Oblivion. On va sauvegarder et je ne vais pas continuer ici. Off, voilà. Je vous laisse après cette cinématique. Qui est-ce qui m'a donné ça? Ça ne sert à rien. Tu te souviens pas? Je me souviens d'Anamine, c'est tout. Vous vous souvenez d'autre chose? Non, de rien. Dingo et moi, on cherchait aussi quelqu'un d'important, je crois. Mais je ne me souviens pas. Entre nous, j'ai un petit peu peur. Alors, faisons-nous une promesse. Hein? Ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait réfléchir. Il réfléchit, lui, Dingo. Si on s'accroche à nos promesses, on pensera moins aux choses qui font peur. Ça deviendra une forme de courage. Bonne idée, allons. Qu'est-ce qu'on se promet? C'est facile. Quoi qu'il arrive, même si on est séparés, ou si on s'oublie. Un pour tous, tous pour un. C'est notre promesse. Et voilà ce que j'attendais depuis le début, la capacité Trinité.
et une clé d'ouverture. Mais c'est la capacité Trinité qui m'intéressait. Qu'est-ce que la capacité Trinité? C'est la capacité qui allie Donald, Dingo et Sora. Et donc voilà, on s'arrête ici. Et oui, j'ai juste avancé pour que vous voyez ça. Pour qu'on puisse enfin récupérer cette capacité que j'attendais depuis le début. Et que, vous allez voir, elle est balèze. Elle est balèze. Donc voilà, ça fait 30 minutes d'épisode. Je vous avais dit que le dernier sera en entier. On va faire le manoir Oblivion. On le terminera dans l'épisode prochain. Et donc voilà, Riku, Larsen. Ensuite, la Trinité. Souvenir perdu. Voilà tout ce que vous avez vu dans cet épisode. Et aussi Starol et Dark Eagle qui m'ont embêté pendant la moitié de l'épisode. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc, je vous dis à bientôt et à dans un suivant épisode pour la fin de ce Let's Play. À dans une semaine tout le monde. Ciao, bye bye.